200 personnes ont pris part à la deuxième édition du XXL Congo River Marathon, c'est dimanche 5 juin 2022. Parti du boulevard Tchatchi à Gombe, des coureurs de plus de 20 nationalités en tout ont compéti en trois catégories différentes, à savoir les marathons professionnels des 42 km, les semi-marathons des 21 km et les 10 km. Contrairement à l'édition précédente, cette fois-ci, le climat était plus chaud, soumettant les athlètes à plus d'efforts. Au finish, l'homme le plus rapide dans la catégorie marathon professionnel a fini sa course en 2h47 minutes, alors que du côté femme, la gagnante a bouclé sa course en 3h07 minutes. Des cadeaux ont été remis aux gagnants dans les différentes catégories. J'ai le sentiment d'abord de joie de voir que l'athlétisme en RDC est en train d'émerger. Et je vous confirme que l'athlète Kaboy, comme il est là, il est automatiquement intégré dans l'équipe nationale pour que nous puissions commencer à préparer ensemble avec lui. D'ailleurs, je suis en train de féliciter les organisateurs, entre autres la société Brassicole qui est le Bras Congo, Jumbo, Congo River, d'avoir organisé de telles manifestations. Il y a des jeunes de talent. Il est temps de mettre la lumière sur cette région du pays qui souffre depuis des années et des années. Quelle joie de le voir arriver. C'était incroyable, incroyable, incroyable. Et les rendez-vous est pris pour l'édition prochaine.